Nouvelle vidéo tous les samedis à 11h. Abonne-toi. Madame, est-ce que vous pouvez juste porter mon sac, s'il vous plaît? Non, je suis désolée. J'ai vu que vous aimiez bien porter les sacs. Et... Non? Non, c'est pas... Je croyais que c'était une passion et du coup, bonne journée. On ne sait pas ce que ça va donner encore, hein, vraiment. Mais on a potentiellement une idée de prank, c'est The Voice dans la vraie vie. Le siège est rouge et il y a des chanteurs de rue qui sont là-bas. Oh putain, je suis l'air de ouf, c'est bon, allez. Tu bois une chèpe, tu me donnes des cours. Hein. On a l'idée de faire The Voice dans la vraie vie, donc avoir un siège rouge, se retourner et dire... Je te veux dans mon équipe. Ouais, et on a vu deux chanteurs de rue là-bas. Sauf qu'ils sont un peu loin, donc il faut qu'on porte le siège rouge pendant un petit temps, quoi. Et on sait pas du tout s'ils seront encore là. Mais bon, en tout cas, on est reparti faire vos défis dans la rue. Ah, c'est l'intro? Ouais. Ah, c'est l'intro. Qui veut bien la vidéo? Allez, ciao. Bonjour mesdames. Bonjour. Excusez-moi de vous déranger. Où se situe la place Sainte-Anne, s'il vous plaît? Place Sainte-Anne, vous avez juste à monter par là. Bonjour mesdames. Excusez-moi de vous déranger. Où se situe la place Sainte-Anne? Bonjour mesdames. Bonjour mesdames. Excusez-moi de vous déranger. Où se situe la place Sainte-Anne? Bonjour. Merci à Renault Auto Prestige pour cette petite voiture. Madame, vous venez faire un petit tour, je vous emmène quelque part? Vous êtes sûr? Malgré une belle voiture comme ça, vous déclinez mon offre. J'ai du pognon, hein. Regardez, décapotable et tout. Merci, bonne journée. Est-ce qu'elles ont vu ou pas? Possédé, oui, vous avez été possédé, oui. Arrêtez ça de suite ou j'appelle les keufs? Lâchez-vous faire. Ça ne marche pas. Bonne journée les gars. Je l'ai fait le plus sérieux du monde mais ça n'a pas marché. Vous arrêtez ça de suite ou j'appelle les flics? Oh, de quoi? Arrêtez ça de suite. Ça là. Vous faites quoi? Vous faites quoi? De quoi? Arrêtez ça. Ou j'appelle les keufs. Toi, je t'ai à l'œil, toi. Je suis dead. Ah, j'ai un ami qui m'a mis une chanson dans la tête, elle part pas du tout, là, c'est... Chetatitati. Chetatitatu. Chetatitati. Tati. Chetatitatu. Tatu. Chez tati tati, chez tati tatou, chez tatou tatou, tati, chez tati tatou, tatou, chez tati tati, chez tati tatou, chez tati tati, tati, chez tati tatou, tatou, chez tati tati, chez tati tatou. Ouais, Sébastien, ça va ou quoi là? Très bien. Mais là, t'es où là? Parce que je vais bientôt avoir plus de batterie. Ok. Je sais pas si ça marche comme blague. Mais en tout cas, c'est. Bonsoir. Des tests de grossesse. Des tests. Un en particulier. En fait, avec ma femme, on va avoir un enfant. On l'a appris il y a 2 semaines et le problème est que... Donc j'ai acheté des tests de grossesse, un peu comme celui-ci.
Sauf qu'en fait, c'est pas moi le père, quoi. J'en ai acheté 5-6, j'ai tout testé. Alors, je sais que c'est écrit fiable à 99%. Mais le problème, c'est que j'aimerais bien avoir un test à 100% pour être sûr que c'est pas moi le père ou c'est moi le père, quoi. Je suis un peu chafouin, là, finalement. C'est une synthèse de grossesse, ça. Oui, exactement. C'est le père ou pas le père. C'est-à-dire ? Ça dit à une femme si elle est enceinte. Ah. Ok. Quel est le géniteur, alors là ? Et du coup, moi, j'en ai acheté plusieurs, mais ça ne marche pas. Non, mais ça, c'est un test destiné aux femmes pour qu'elles sachent si elles attendent ou pas un enfant. D'accord. C'est tout. Oui. Tu as même appuyé dessus, toi ? Ben oui. J'ai fait tout. J'ai lu le mode d'emploi. C'est vous qui utilisez ça ? Oui. Ben, c'est pas pour vous. C'est-à-dire ? Ben, c'est pas pour vous, c'est un test de grossesse. C'est pas vous qui allez être enceinte. Donc, c'est pas moi le père ? C'est ce que vous dites ? Finalement. Vous entendez pas ou vous moquez ? Ceci, ce sont des tests. Je suis un peu énervé, je réagis peut-être oui, sous le coude. Je vois, oui. Mais elle est enceinte ou quoi ? Qu'est-ce qu'un test de grossesse ? Elle est enceinte, elle est enceinte. Eh ben, vous n'avez pas besoin de test de grossesse si elle est enceinte. Donc c'est pas moi le père ? Attendez, arrêtez les blagues. Elle est enceinte ou elle n'est pas enceinte, ça c'est une chose. Oui, elle est enceinte, elle est enceinte. Vous êtes le père ou vous n'êtes pas le père, mais ça moi je peux pas savoir qui est le père. Parce que ça se trouve, j'ai des petits soupçons avec mon frère. Je vous veux dans mon équipe. Vous avez vraiment votre univers, j'apprécie vraiment ce que vous faites. Vous m'avez embarqué là. C'est vraiment... Ils vont faire un carton, je pense. Il manque des candidats comme ça dans l'émission et... Donc du coup, vous avez compris ? Oui, bah oui. On fait des blagues, des caméras cachées. Non, et du coup, la vanne, c'était... Bon, vous avez compris la vanne, on en tout cas. On est tombé C'est parfait. Et vous avez tiré quelle tête ? Quand vous êtes parti. En mode, il se fout de ma gueule. Ouais, quand on est parti. Ah oui, ouais, totalement. En mode genre, il se fout de ma gueule. J'espère que ça a bien filmé, là. Bonne journée, les filles. Salut. Merde. Excusez-moi, madame. Merci bien. Bonne journée. Elles ont pas vu. Je suis dead. Donc ça ne marche pas. Je vous ai vu tout à l'heure. Et non, je vois toutes vos vidéos là. C'est très gentil. Ouais, bon, tant pis. Il y a des pharmacies dans le coin, c'est bon. Comment ? Des pharmacies dans le coin. Ouais, il y en a plein, il y en a juste. On les a déjà piégés. Parce que c'était quoi la blague ? Grosso modo, je suis, comment dire, avec ma femme, on sait qu'elle est enceinte depuis 2 semaines. Ouais. Et moi, j'essaie de savoir si c'est moi le papa, mais c'est pas moi le papa, quoi. J'avais vu dans les commentaires. Ouais. Donc, on teste ça. C'est cool.